24e journée de Pro A, le Cholet Basket face au SLUC Nancy. Dans l'axe. Magou qui le petit step back pour mettre ce panier. Ça nique, main gauche. Superbe dunk. Il avait le tir ouvert. On peut faire la lucière. Nelson, prix. Limite passage en force. Oui. Dosier qui est précieux, c'est un joueur qui joue face au cercle, il n'est pas très très brillant tôt au panier, par contre il est très très bien face au cercle. La vitesse de Nelson qui va tenter d'aller jusqu'au bout, c'est oh manqué, petit souci de finition. Oui mais il n'y a rien de sifflé, et le contre de Daking à King Bala, on laisse jouer pour l'instant. Ouais. Lainan, tir ouvert, Schuller, Nelson. Le meilleur scoreur du championnat. Oui, ah, meilleur scoreur français évidemment. Superbe dunk. Daking à King Bala. Quelle présence Daking à King Bala défensivement. C'est impeccable. Et à la finition, Jamal Schuller pour le SLUC Nancy. John Lainan qui s'est décalé. Sur la ligne. Alors ça sera 2 points. Fabien Causeur qui se faufile sous le cercle, voilà. Et voilà cette fois William Gravitt qui trouve la cible. Il fait du bien celui-là. Gravitt. Ah, il y a une bonne défense de Nancy. Oui, oui, ça défend bien. Il n'y a rien de facile pour Cholet. Hein. Regardez, ça c'est des tirs difficiles ça. Oh, il est superbe. Ça rentre dedans, ça c'est sur le talent. Hein. Bien Grady, le petit drop shot tranquillement qui profite d'un match-up intéressant. Droite à droite, ouais, ça sera à gauche, c'est bien aussi avec Fabien Causeur qui s'était libéré finalement pour égaliser et signer un 10-0. Ça n'est que la réponse. Et encore une fois, même système de jeu. Ouais, belle défense là, de Cholet avec Randolph Walker, mais ça n'empêche pas le panier réussi. Oh, belle passe. Ouais, c'est joli à King Bala. Très gauche. Qui avait fait l'essentiel à King Bala, ça sera. Alors, le panier a priori refusé. Non, ah, non, si, non, accordé. Non, c'est bon. Un lancer. Début du deuxième carton ici à la Meilleraie avec le ballon pour Nancy qui mène de 4 points, 19 à 15. Nancy qui a compté jusqu'à 10 points d'avance dans ce premier carton plutôt prolifique. King, ouais, voilà. Il est superbe ce gaucher. Belle passe. Ouais. Oh non, faut pas dribbler là. Ah, il dribble pas, ouais. Il évite le retour Rampkers. Christopher, belle passe. Ouais, super, le jeu, le passing game là, rapide avec Matt Christopher en relais. Randolph Walker là. Ouais, bravo, vous parliez de tir à l'extérieur, c'en est un. Et quasiment l'écart le plus important, 9 oh là, points. Oh là, c'était mal parti de toute façon. Le ballon voilà. Sur le pied. Avec un petit trailer pour Cure, ça faut lui donner la Cure trop tard. Ouais, King qui varie le drop shot. C'est bien, belle variation alors qu'on s'attendait à une passe à côté pour Cure. C'est bien, c'est arrivé sous le cercle. Vous le voyez.
buzzer. Allez, de nouveau à 3 points. Oui, dedans. Ah, si très bien commence à mettre dedans, ça va donner un bon coup de main à Cholet. Hein. Christopher, Volker. Belle ouais, passe. Passe, superbe. Encore une fois, très très belle passe. Et très bon cut de Fabien Causeur. Samnik, ouvert. Et c'est ressenti. Et c'est dedans. C'est payé. Effectivement. Oh oui. Ouais, belle passe. Oh, il fallait donner. Ouais, le contre de Ronald Volker. Et la faute derrière sur Fabien Causeur. Il y avait une passe à faire à Kipala qui était tout seul sur le cercle. Tout seul. Regardez-le. Ça c'est bien vu encore. Une nouvelle passe lumineuse. Volker. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Il est allé défier la défense des Cougars, Lucas Vébob. Aérien sur ce coup-là. Ballon bien protégé, regardez, un petit bijou. Et apparemment, Akinbala qui... Ouais, c'est rien, ça. Causeur. Oh. Lucas Vébob. C'était un peu risqué. Mais c'est là l'extra passe qui nous permet d'avoir ce joli dunk demain. Ouais, voilà. Matt Christopher, nouveau dunk pour égaliser à 31 partout. Il reste 3 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps. Et une fois encore, Cholet est parfaitement revenu dans le match. Ah, c'est bien joué avec Jimmy Grant. Avec le plexi. C'est dommage, s'il dribble pas. S'il dribble pas, il va au dunk. Allez, deux points pour Randolph Volker. Oh là. Bon, ben derrière, il y a un peu d'ombre. Hein. Oui. Allez, oh, oh ça. Ça, c'est un peu de réussite, comme on dit. Regardez, il y a un 19-5 là. En 6 minutes 40, 5 points marqués seulement par le SLUC. Et le problème de Nancy, c'est ça, quand ils tombent dans leur travers, il n'y a plus trop de collectif, d'organisation collective, ils jouent que sur la transition. Oh, c'était joli ce qu'avait essayé Gravit, mais le contre de Silla, il est bien aussi. Justement. Avec une belle passe de Pape là, dans un petit bout de souris. La même. Oh le contre encore. Contre cette fois, venant d'Akin, Akinbala. C'est très large. A mon avis, ça va être la voilà, pique. Les drives très larges pour les autres et chute extérieure si jamais. Il n'y a pas eu. Ouais, bah, voilà, impeccable. Carlo Naembo. Schuller, ouais, c'était bien tenté. C'était surtout très mal défendu. Les deux. Parce que dans ces cas-là, il vaut mieux laisser Silla et puis Akinbala tout seul. C'est pas eux qui vont shooter et monter la balle. Voilà en tout cas pour cette première mi-temps passionnante. Le suspense est au rendez-vous. 38-36. Manque d'inspiration. Mais là, bien vu de la part de Damagou qui aurait pu le donner, mais qui finalement l'a gardé et s'en sort bien. Ouais, voilà, ça c'est bien travaillé de la part de Victor Samnik. Ça, c'est un shoot qui maîtrise bien en se retournant avec la planche. C'est des shoots à haut pourcentage. Joaquin Bala, ça c'est bien fait avec le N1 à venir. Belle relation là, extérieur-intérieur. John Linehan. Et encore, quasiment la même. La même encore plus simple entre Linehan et Akinbala. Alors un pick and roll et pas d'aide à l'opposé. Donc Akinbala tout seul dessous, c'est deux points.
Victor Samnik, bien maîtrisé. Les Cougars à l'attaque. Amagou, gourmand, mais récompensé là-dessus. Closer. Ça peut tomber dedans tout le temps, mais ça peut aussi... Oh, voilà. Exactement. Ouais, voilà. Impeccable. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur ce que devait faire Akimala. C'est exactement le mouvement qu'il fallait faire. Parfait. Parfaitement réalisé par un meneur de jeu. Victor Samnik, ballon, attention. Ouais, bien. Il y est allé tout seul, finalement, Victor Samnik. Alors, il y est allé tout seul parce que le défenseur, le joueur qui défendait sur Akimala, n'est pas venu en aide. Lainan, dedans. Deux points supplémentaires. Belle gestion là. 8 secondes, 6 secondes. Akimbala qui s'est libéré. Oui, libéré de la pression de Robert Dozier pour ajouter deux points. Oui, bien. Pat Christopher. Voilà, en puissance. Ouais. Voilà. Il va y aller tout seul. Accordé. En phase descendante. Où est-ce que ça avait touché le plexi avant? Ouais, je pense. On va voir ça. Planche. Toucher la planche. Toucher voilà. La planche. Voilà. Ça fait toujours plaisir, Rudy oui. Gobert. C'est sûr, ça. Ouais, si là. Voilà pour ce troisième carton. 15 pour Nancy. Ouais, ça c'est joli, Jamal Schuller. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de pression défensive. Non, non, non. Poseur. Ah, qui sert Goré, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, Rudy Gobert, là, avec un mouvement pas vraiment académique. Ouais, il n'a pas de mauvaise main, hein, Gobert. Ah, mais non, la preuve. 15 points de retard. Ouais, voilà. Joli compte. On va passer en zone de 3. Regardez ça. Pouf. Ouais. C'est plus facile quand on fait 2-15 ou 2-10. Forcément. Bien joué. Bien joué sur la transition. Belle passe encore là. Ouais, alley-oop. Superbe alley-oop avec Patrick Christopher à la finition pour réveiller les joueurs de Cholet, réveiller la Mairesse. Ce n'est pas terminé, il reste du temps. Nelson, de Marcus Nelson. Regardez le défensif de Samnik. Par contre, il y a Schuller. Ouais, c'est bien ça. William Granit. Et dans la pénalité, 67-60. Ah, la réponse de Jamal Schuller pour Causeur. On est rentré dans les 5 dernières minutes dans le money time de cette rencontre. Granit, hey, il est précieux celui-là. 63-70. Ouais, difficile, mais il est passé dessous. Il fait une grosse fin de match, William Grady, là. Il fait beaucoup de bien. 15 points déjà pour le Coyote ce soir. Victor Samnik.
71, complètement relancé le match. Totalement relancé. 3 points, simplement une possession d'écart. Et le marché qui ne sera pas sifflé, mais le ballon, c'est pas grave. Récupéré par Demarcus Nelson. Demarcus Nelson qui a chuté, qui a glissé. Jamal Schuller qui récupère ce ballon. Oh là là, shoot. Énorme shoot. Comme quoi les chutes ne se terminent pas toutes de la même façon. La chute côté Cholet qui a empêché les Choletais de développer leur attaque. Et regardez, la chute de Jamal Schuller qui, elle, ne l'empêche pas de mettre ce panier acrobatique. À la différence près qu'il a toujours gardé le cercle dans la dimension. Il regarde le cercle, les manteaux bons, il a toujours l'œil sur le cercle. Quelle fin de match. John Linehan, 1 minute et 35 secondes. Oui, la bonne passe. Magnifique passe de John Linehan. King, voilà. Magnifique passe de John. Pour redonner 5 points. Posluk. Ouais, contré. La défense de Nancy qui aura pris le pas. Bonne passe pour Hakim Bala, contré par William Gradit qui aura fait son possible, qui aura fait un gros match. William Gradit, mais ça n'aura pas suffi. Rudy Gobert, le dunk. Oh, la forêt, ballon récupéré par Demarcus Nelson. Oh non. Oh, que c'est dommage. Que c'est dommage. Demarcus Nelson, là, qui est emporté par son élan. Les toutes dernières secondes, c'est terminé. Victoire de Sluk qui s'impose 78-72 ici sur le parquet de la Mairie. Excellente opération pour les Cougars.